Salut! Aujourd'hui, on va voir concernant le volume d'une partition. Ok. Là, c'est le même disque dur, je l'ai partitionné en plusieurs. Voilà, j'ai pris à peu près 20 gigas partout. Puis ça, c'est pour le système. On va voir comment supprimer un volume. On a vu pour une partition et aussi pour un disque. On va voir comment faire avec le volume. Donc, du coup, c'est CD, un petit slash. Puis disque part. C'est pour lancer le logiciel Dispart. Ok, liste disque. Ok, select disque 1. Ok, maintenant liste volume. Ok, là on a les volumes. Donc, vous avez vu où? NTFS, donc ça c'est réservé ce volume là au système sans doute, et ça c'est le volume C là où il y a le système installé, donc il a 464 gigaoctets, correct. Maintenant le volume 3 fait FAT32 100, et celui-là en NTFS donc 18 gigaoctets. Et puis bon, celui-là pour le système, il y a d'autres partition, voilà. Celui-là, ce partition-là sont en NTFS. Maintenant, le FAT32, on peut les convertir, vous voyez ça. Donc nous, on va vouloir dire qu'on va voir Smart Creole Tech. Ok, c'est, il n'y a pas tout le nom, mais c'est ça. Donc c'est le volume 2. Donc si on fait select volume 2. Maintenant, détail volume. Là, on a des informations concernant le volume en question. Donc, lecture celle, non, caché, non. Bon, voilà. C'est ceci. Espace du volume, 34 gigaoctets, puis capacité du volume. Ok, donc c'est pareil. Donc, si on veut le dé supprimer, donc c'est de delete volume. La commande c'est ça pour supprimer ce volume là. Donc Dispart a correctement supprimé le volume. C'est pour ça, c'est comme ça pour supprimer un volume avec Dispart.